Et pour commencer, je vous propose de monter dans la fraîcheur des hauts, celle de la plaine des Cafres. C'est en effet dans le décor majestueux des hauts pâturages de notre île que la Cicalet a décidé de fêter ses 60 ans récemment. Alors c'était l'occasion de rappeler que la Cicalet aura été la première coopérative créée sur notre île, qu'elle est encore aujourd'hui la seule filière lait structurée en Outre-mer. C'était surtout l'occasion de vous proposer, comme pour le public présent sur place, eh bien, de découvrir les coulisses de la production laitière avec cette visite dans des élevages nouvelle génération. À la plaine des Cafres, pour la première édition de la fête du lait, certains éleveurs ont ouvert les portes de leurs élevages aux visiteurs avec explication du fonctionnement du site. Je peux vous poser une petite question ? Oui. On vient de me dire que ça, c'est un petit matelas ? En fait, alors là-bas, hein, là, il y a l'air de raclage, c'est du béton. C'est... Ouais, d'accord. Et là-bas, le couchage, c'est un matelas. D'accord. Il fait 4-5 cm d'épaisseur pour que l'animal soit confortablement installé. À une vache, je dis, ça fait 700 kg. Oui. Donc quand elle se relève, tout ça, elle a besoin un peu de se bouger. L'idée, c'est qu'elle soit confortable. D'accord. Soit, qu'elle soit tranquille. Une vache, ça, c'est entre 8 et 10 heures de couchage par jour. Donc voilà, on a envie qu'elle soit bien installée. Annie est venue en famille. Son objectif, en savoir plus sur la production laitière réunionnaise pour connaître, en tant que consommatrice, ce qu'elle mange et ce qu'elle boit. Ces visites sont très bien organisées. La pédagogie, elle est là. On est au courant, on nous renseigne de tout ce que, les questions qu'on pose. On a des réponses. Je suis étonnée. Je m'attendais à quelque chose d'intensif, comme on en voit dans les reportages. Et là, c'est vraiment... C'est bien. Les vaches, on voit qu'elles sont heureuses. Enfin. Puis au niveau du matériel, c'est quand même du matériel de pointe. Je me faisais l'idée d'un élevage un peu à l'ancienne. Donc voilà. On a commencé par nurserie, on a fait ça. Et puis on va repartir sur le site du grand kiosque pour pouvoir goûter un peu plus les produits et découvrir ce qu'il y a. Enfin, pas seulement goûter, mais goûter pour pouvoir en acheter après. Voilà. C'est la consommation, voilà. Avec une confiance retrouvée. Cette exploitation, c'est celle d'Olivier Boyer, éleveur depuis une vingtaine d'années. Il est ravi et fier d'accueillir les Réunionnais sur son site, d'autant que son bâtiment a récemment été modernisé, avec des brosses pour que les vaches puissent se gratter, des distributeurs automatiques d'aliments ou encore une salle de traite plus performante. 20 vaches peuvent y être en même temps, la seule installation de ce type à La Réunion. Ce bâtiment, c'est quasiment le projet d'une vie. Il faut savoir que je ne suis pas tout seul, je suis avec mon oncle en société. Lui, il a commencé depuis 30-35 ans. Et on voulait vraiment mettre nos vaches dans un confort optimal. Je vois que les vaches sont beaucoup, beaucoup mieux, sont en état. Vous voyez, hein, elles ne sont pas stressées, elles dorment, elles se baladent. Nous, en termes de travail, c'est beaucoup mieux. On est à l'abri. Je dirais, même s'il pleut, ça ne nous change pas beaucoup, du moins pour ce qui est de l'élevage. Et c'est vachement, vachement agréable de travailler comme ça. Alors, on voulait vraiment refaire le bâtiment pour nous aussi, humains, pour travailler dans de meilleures conditions et pour que nos vaches elles soient dans de meilleures conditions aussi. Du coup, tout en découle. C'est-à-dire une bonne production de lait, une qualité de lait au top, j'ai envie de dire. Et la question environnementale est importante aussi. Du coup, toutes nos vaches boivent que de l'eau de pluie. Pas de l'eau de la concession. C'est que de l'eau de pluie qui est récoltée, qui est traitée et renvoyée pour les vaches. Donc, on essaie de s'adapter à l'environnement et aux demandes des consommateurs. Pour moi, l'avenir, c'est de continuer comme ça, de faire mieux, mais de continuer plus ou moins comme ça et de transmettre demain à une autre génération qui pourra, elle aussi, évoluer avec son temps. Et la relève est déjà là. Benjamin Mussard est un jeune éleveur installé avec son frère en 2020. Il est passionné par son métier depuis tout petit, une passion transmise de génération en génération dans sa famille. Je suis fier que j'ai pu reprendre, parce que moi j'ai repris une exploitation avec mon cousin pas loin. Depuis tout petit, j'ai suivi mon père à faire ça. Maintenant, ben, le rêve s'est réalisé. Manque plus qu'à faire ses preuves et faire une carrière dedans. On pourrait amener ça très loin. J'espère que l'avenir de la filière sera maintenu. Au début de mon activité, ce qui était compliqué, c'était la mise en place pour les papiers, tout ça, pour s'installer. Mais après, au fur et à mesure, ben, quand on est dedans,
on s'adapte et on réussit à, dans ce côté-là, à passer le cap. Se lever à 3h30 du matin, c'était compliqué, mais on a fait avec. Avec la pluie, le beau temps, les cyclones et le froid, et on fait avec et on s'y habitue. J'avais la possibilité de faire autre chose, mais comme j'aime bien faire ce métier-là, on est libre de faire ce que l'on veut, on ne dépend pas de patron ou quoi que ce soit. On vit avec la nature et les animaux, les vaches laitières sont des agréables êtres vivants à côtoyer. La fête du lait a été organisée pour célébrer les 60 ans d'existence de Sicalait, la coopérative laitière réunionnaise, la seule en Outre-mer. La filière laitière à La Réunion, c'est 85 éleveurs, 52 exploitations, produisant chacune en moyenne 6300 litres de lait. Une filière qui, grâce aux industriels Silam et Danone, voit toute sa production transformée. La production laitière a débuté au sein même de la Sicalait en 1962. Avec la fabrication de yaourts. Et en 1964, il y a eu l'installation de Silam. Et Silam, avec la Sicalait, on avait décidé à cette époque-là que Silam s'orientait plus vers la transformation. Et Sicalait restait dans son domaine de production. Il y a Danone qui est arrivé un peu plus tard. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 80% du lait de la production qui part pour Silam et 20% pour Danone. Les industriels nous ont apporté aussi une sérénité par rapport au marché, par rapport à la transformation déjà en premier lieu et au marché. Donc nous, ça nous permet aussi de nous libérer de ça et de nous consacrer uniquement à la production. Sans les industriels, ça aurait été compliqué parce qu'aujourd'hui, on peut produire sans limite à La Réunion parce qu'on a un besoin au-delà de ce qu'on produit. Avec les industriels, justement, on a la sérénité que toute notre production soit transformée. La fête du lait fut un véritable succès pour sa première édition avec près de 7000 visiteurs sur 4 jours de festivités.